Haïti en sécurité, nous est malgré diverses interventions du président République l'a fait et malgré diverses interventions DG Léon Charles lui-même l'a fait beaucoup de pal pour être capable de renforcer sécurité dans le pays malgré ça des citoyens crédibles pas suspendent à perdre la vie malgré ça tout policier pas suspendent à perdre la vie et bien fort moins nous hier dimanche il y a 3 citoyens qui arrivaient perdre la vie dans zone Kafou puis précisément dans site pays et bien 3 citoyens ça arrivé perdit la vie en bas bal et en bas mes bandits exam et bien nek sa yo et qui tombé en bas mes bandits exam selon information de nan yo mouri nan zone tort devant la club qui gen pour titre le créole et puis l'autre là lui-même li arrivé tombé nan côte plage 18 nan yon le jardin restaurant et bien 3 citoyens sa yo même yo arrivé perdit la vie faut moi di nou tout police nationale la passe suspend ap konde cadavre faut moi di nou tout jodi an la police qui en deuil la police qui passe suspend à compter cadavre encore une fois yon agent nan BLTS tombé encore une fois en bas mais bandi exam nan Pétionville puis précisément place Boyer et qui c'est yon policier qui trouvé l'an 22e promotion arrivé tombé en bas mais bandi exam et selon information c'est pendant li même li tap sorti nan yon coiffeur et bien malfra ça yon même yoté arrivé vide cartouche sous li alors nous capable di yon nan ba na une analyse n'a fait et une remarque nous fait tout dans espace une semaine gain environ 5 policiers qui arrivé perdit la vie alors nous capable dit Stanley Vincent c'est une policier ça yo et Junior Félix c'est une nex ça on capable citer tout et Ephésien Jean-Louis c'est policier dans semaine ça là qui tombé et puis gain deux autres encore qui t'est trouvé dans SWAT là c'est agent policier ça yo alors on capable dit dans espace 5 jours et dans espace semaine ça là on capable dire comme ça gen 5 policiers qui arrivé perdit la vie. Yon nan question en pile moun a posé et yon nan bagay tout en pile moun pas suspend après sur internet la comme question c'est qui ça ka passé en dans institution police nationale là comme ça qui ça qui t'a fait quoi policier nou yo arrivé perdit la vie. Est-ce que vraiment gen en pile moun a posé question c'est mauvaise gestion et DG Léon Charles qui t'a arrivé fait policier a perdit la vie comme ça et nous te wè à clair Mario Andesol qui c'est ex DG police nationale là lui-même qui t'a fait un tweet pour le faire connecter et Léon Charles incompétent Léon Charles c'est dans mauvaise gestion qui fait police nationale là a arrivé perdre la vie comme ça c'est dans mauvaise gestion DGPNH là qui fait et la police là journée aujourd'hui qui arrivé divisé la police là nous est policier face policier et nous est tout citoyen haïtien pas suspend tomber et nous est police nationale lui-même li pas suspend à compter cadavre nous va porter plus information pour vous sous dossier ça yo alors avant même que nous entrions dans fond sujet a comme d'habitude qui prend quelques temps pour nous saluer et puis remercier ou même cap garder vidéo ça ou même qui toujours app like ou même qui toujours app quitter un commentaire sans oublier ou même qui déjà abonné avec channel Genangia ou même cap garder vidéo ça et qui peut-être poko abonné avec channel là n'a invite au abonné avec channel là pour nous capable agrandir communauté a et faut nous dire tout l'heure abonné avec channel là c'est seule façon ou capable rendre nous réciprocité travail qui n'a fait, c'est celle façon tout ou capable encourager nous dans ça qui n'a fait. Alors, je nous lance ce titre ça que nous pral débat dans sujet nous journal nous pour journée jeudi. Chacun a annoncé qu'il y a 3 citoyens qui arrivaient perdre la vie en bas mais bandi exam dans commune Kafou dans entrée sud pays. Citoyen sa yo selon information de nan yo mouri nan zone tor devant la club qui gen pour titre le créole et puis l'autre la tombé nan côte plage 18 nan yon le jardin restaurant alors journée jodi an faut nous di Haïti qui pas suspend a compter cadavre faut nous di Haïti journée jodi an malgré diverses intervention que pour le président républicain lui-même Jovenel Moïse a prend beaucoup de parle et malgré des discours nous est Haïti journée jodien qui tourne yon l'abattoir peuple haïtien pas suspend a tombé en bas mais bandi exam journée jodien ou capable lever et puis c'est retour tendez yon mauvaise nouvelle yon citoyen qui pas même malade yon citoyen qui pas gain aucun problème avec moun et puis journée jodien ou net lever tendez li pas existé encore
prend nouvelle yo vider la terre tellement et situation paysan li vraiment dégénéré tellement situation paysan li extrêmement grave alors en pile monde a posé question malgré noue cause kidnapping dans li même qui passe suspend a répété malgré noue cause kidnapping dans qui passe suspend a valer terrain mais bandi exam tout passe suspend a kidnapping moun mais bandi exam continuer à victime pep haïtien toujours à tomber en bas mais bandi exam ça yo encore une fois police nationale là qui en deuil encore une fois la police qui passe suspend à compter cadavre la police qui en face la police cap tire sur la police alors ces résultats et police nationale là ces résultats Léon Charles d'abord non tête institution ça alors Stanley Valentin c'est un agent BLTS qui tombé hier dimanche encore une fois en bamé bandi exam nan Pétionville plus précisément place Boyer yon Pétionville nous connaissons un certain temps qui était une zone qui était plus ou moins propre yon Pétionville yon certain temps c'était une zone qui était plus ou moins on monte capable dire qui plus ou moins fiable c'est pas une zone et nan tan longtemps où te kon ap compter cadavre mais jodi a Haïti en général qui tourne yon l'abattoir pa gen aucun côté yon citoyen capable dire ou capable yé nan pays journée jodiyan ou en sécurité et fort moi di ou même lò couche sous cabane la caillou ou pas en sécurité nan pays d'Haïti alors mais en qui ça pays a li réduit journée jodiyan mais comment Haïti journée jodiyan li devenu selon information police ça li même qui c'est Stanley Vincent qui sont policiers qui t'est retrouvé dans 22e promotion institution police nationale là arrivé tombé en bas main malfaçon ça yo pendant que li tap sorti dans yon coiffeur et bien nèg ça yo même yo arrivé vider cartouche sous policier ça malgré nous pas connait pour qui raison est-ce que c'est un règlement de compte est-ce que c'est un monde li t'ai un petit problème ensemble avec lui est-ce que tout c'est un citoyen qui extrêmement crédible et puis pour dit exam arrivé vide cartouche sous lui ces questions en pile monde a posé une analyse n'a fait c'est que dans espace yon semaine gen environ 5 policiers qui arrivé tomber en bas main bandi exam bagay ça mes amis li vraiment grave bagay ça li kite yon mauvais goût nan bouche tout citoyen haïtien bagay ça mes amis c'est tout et moun nan diaspora k'ap pose question qui ça k'a passé institution police nationale là comme ça qui ça k'a passé institution ça comme ça qui fait policier journée jodiyan pas suspend a tomber en bas main bandi exam et faut moi dit nous tout policier nous connaît qui là pour protéger et servir et policier ça yo tout qui gagne on zam à feu dans main yo même journée jodiyan yo pas en sécurité même yo même journée jodiyan la vie yo pas préservé alors et nous même en tant que simple citoyen qui vivent dans pays d'Haïti journée jodiyan faut moi dit nous si nous là toujours n'a fait résistance c'est grâce avec papa bon Dieu alors j'en toujours dit ou même qui compte prier prier pour pays ya ou même qui compte jeter de l'eau pour pays ya ou même qui compte bat 4 pour pays ya parce que Haïti journée jodiyan trouver le nan espace qui vraiment grave Haïti journée jodiyan qui trouver le nan situation qui extrêmement compliquée. Alors j'en nous dit non espace yon semaine selon analyse nous gen environ 5 policiers qui arrivé perdre la vie parmi eux nous capable citer non Junior Félix c'est un policier qui tombé en bas main bandi exam Ephésien Jean-Louis c'est un policier tout qui arrivé tombé en bas main bandi exam Stanley Vincent hier dimanche là encore une fois c'est un policier qui arrivé tombé en bas main bandi exam et de l'autre agent pour la police que nous pas co identifié dans soit là et arrivé tombé tout en bas main bandi exam alors en pile monde a posé question qui ça qu'a passé en dans institution police nationale là comme ça est-ce que DG Léon Charles pas ta supposé fond et chita avec l'autre grand autorité dans pays pour fond chita parler de qui ça qu'a passé institution police nationale là comme ça malgré nous te ouais ex premier ministre
PM Jout te fait qu'on est que yo pral renforcer institution police nationale là jusqu'à présent qui était une décision mais qui poko prend réellement. Alors n'a posé question, est-ce que li pa ta bon pour ta mettre question police nationale là sous une table pour yo font chita parler sous lui parce que ça a cap passé en dedans institution ça journée jeudi en frère Maxime yo li vraiment grave et c'est une honte liée pour Haïti dévancher toute l'autre nation. C'est série information ça yo ken te gagné pour journée jodiyan ou même k'ap gade vidéo ça qui t'est rété k'ap gade vidéo ça faut nous remercier et puis saluer ou et ou même tout k'ap gade vidéo ça qui poko abonné avec chaîne là n'a invité ou abonné avec chaîne là pour nous capable agrandir communauté a et ou même qui déjà abonné ou même qui pral quitter un like dans vidéo ça ou même qui pral partager et ou même tout qui pral quitter un commentaire pour dire nous comment ou concevoir ça k'ap passé en dedans institution police nationale là comme ça et vous même tout cap voyez un message by police ça yo famille zami police ça yo et ou même tout cap voyez un message by DG Léon Charles pas hésiter quitter non un commentaire quant à pour nous même n'a remercier ou même qui t'a regardé vidéo ça alors n'a laisser ou après je nous encore pour une série information dans l'autre vidéo.